Salutations peuple de la Terre de retour sur BioShock Infinite. Dans l'épisode précédent, on est arrivé à la bibliothèque. Il se trouve que c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode parce que, comme d'habitude, j'ai eu plein de problèmes. J'avais la webcam qui marchait pas. L'enregistrement de la webcam qui durait une demi-heure alors que l'épisode durait 50 minutes. Donc je suis obligé de le refaire parce que bon, il manquait 20 minutes et en plus tout était désynchronisé, c'était pas cool. Donc on arrive à la bibliothèque de chez Comstock, un endroit rempli de cadavres où on va pouvoir se recharger un petit peu en munitions. On va prendre la mitrailleuse, on sait très bien. Il n'y a rien dans le bureau. On va fouiller les rangements, tout ça. Là on a un magnifique truc d'armurerie où je vais pouvoir augmenter les armes. Canon à rafale. Il me semble qu'on va en récupérer un plus tard. Donc je vais l'améliorer, ce sera déjà ça. Ensuite, la mitrailleuse, c'est ça. Hop, dégâts optimisés 2, comme ça elle est au max. Réflecteur, faucheur. Et un canon à rafale. Est-ce que c'est intéressant? Non. Canon à rafale 25%. Hop, vendu. Parce qu'on va en récupérer un tout à l'heure, c'est l'avantage de connaître déjà ce qui va se passer. Réflecteur, tout ça, on s'en fout. On s'en va. Non, j'ai dit on s'en va. Elle va nous donner de l'argent. J'ai trouvé de l'argent. Vous le À voulez? chaque fois qu'on achète des trucs, elle trouve de l'argent. Donc après, une fois qu'on a déjà tout dépensé. Hop. Des cadavres. Tiens, il y a un truc ici qui brille. Non? D'accord. Il me semblait. Hop. Alors là, il va se passer quelque chose. Regardez. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Le vaisseau de Comstock. La main du prophète. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Je m'en occupe, mais est-ce que tu peux cas, ouvrir je dois cette porte? savoir que c'est fait. Oh, Dewitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Dépêche-toi, Elisabeth. Tu es lente. Merci. Alors, par là, il n'y a rien. Là, il y a encore des cadavres. Hop, nickel. On a rechargé. On a presque un chargeur plein. D'ailleurs, je crois que c'est un chargeur plein. C'est quoi ce bruit? Là, cachez-vous! Non. J'ai pas envie. Sûrement des éclats. Vas-y! Non, pas des éclats. Ce sont. Alors, il y a un truc qui me tient dessus. Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que Dewitt a fait pour toi? Pour lui, tu Alors, ne sauras jamais rien de plus. Tourelle. Qu'on va défoncer avec l'électroquartz. Parce que l'électroquartz c'est cool, ça permet de vulnérabiliser les. Voilà. Alors si je pourrais réussir à passer derrière, raté. Vas-y. Merci. Merci. Hop. Voilà, comme ça on en est débarrassé, c'est déjà ça. Santé, merci. Là on est bon. Alors qui nous tire dessus là? T'es pas mort toi? Regarde les gens qui sont pas morts. Faut qu'ils soient morts les gens. Mais quoi là? Ah des cadavres. Cool. Alors c'est un peu la merde ici. Oh s'il vous plaît. C'est fini oui. Faut mourir monsieur hein. Faut mourir. Faut mourir. Ouais, il est mort. Alors, qui me tire dessus à nouveau? Faut mourir, monsieur. Hein. Faut arrêter de me tirer dessus comme ça. Salut, Elisabeth, comment ça va? Où sont les gens qui me tirent dessus? Il y en a un peu partout ici. Hein. Alors, d'après le son que j'entends. Ouais, c'est par là. Merci pour les cristaux. Merci. C'est gentil. Alors, une magnifique. Voilà, c'est ça. Merci. Ah, il m'a jeté sur le côté. Je sais pas comment il fait ça d'ailleurs. Mais jette sur le côté, c'est pas gentil. Vous allez mourir, vous êtes mort. Oh.
Voilà. C'était quoi? C'était pas un canon à manivelle? J'ai oublié là, parce que... J'ai oublié ce que j'avais pris tout à l'heure. Ça doit être le canon à manivelle, j'imagine. Ça te va? Non, c'était pas ça. Mais ça peut être pratique. On va juste changer d'arme pour se déplacer. On prendra le canon à manivelle quand on en aura vraiment besoin. Alors, crochetage impossible en combat. Bon, ne vous inquiétez pas. C'est par où? Vous allez mourir. 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 Vous êtes mort. Excusez-moi, vous allez mourir. Voilà, vous êtes bien mort. Qui me tire dessus? Bonjour monsieur. Vous êtes mort. Merci, c'était aimable. C'était aimable. C'est bon, c'est fini? J'avais pas vu qu'il y avait un magnifique crochetage possible par là-bas. Lors de mon premier essai. Enfin, premier essai. Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Donnez-moi une seconde. Lors de mon premier enregistrement, j'ai les cheveux qui font n'importe quoi encore. Voilà. C'est avec le casque, c'est l'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? À part des morceaux de bois qui bougent tout seul. Ici, c'est pété. On a quelque chose à récupérer? Rien. C'est étrange. Et par là? Ah, fouiller bureau. Bizarre. Une banane. Vas-y, crochet s'il te plaît. Oh, ça ne prendra pas de temps. Bah vas-y alors. Plus vite. C'est fait. Fouiller coffre-fort. Il n'y avait pas grand-chose. Par là, qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir des gens là, j'imagine. Même pas? Non, c'est un cadavre. Dégueulasse ce cadavre d'ailleurs. Hop, pas mal de munitions. C'est pas très rentable ici. Qu'est-ce qu'on a? Un voxophone. M'a lancé un ultimatum. Si nous ne renvoyons pas la fille d'où nous l'avons fait venir, nous devrons nous séparer. Là où il voit une... Ah mince, ça l'enlève. Alors j'avais amélioré le truc. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Il manque un tout petit peu d'argent, c'est dommage. Blanche, je vois le roi lire. Mais c'est mon frère. Alors je dois jouer mon rôle. Même si je sais que toute cette histoire finira mal. Cool, de l'argent. La possession soldée, c'est un truc absolument nécessaire. Ça permet d'utiliser possession, mais alors pour que dalle quoi. Regardez, hop, possession, c'est où? Possession, voilà, c'est là. Hop, vous voyez, tenez, ça coûte deux fois moins. Merci, mais bon, t'as un peu la voix. Hop, ici, y a plus rien, y a plus rien, y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, du tout, nulle part. Hop, on va récupérer les trucs qui est ici. Alors, c'est pas par là, hein. Non, c'est pas par là. C'est par là-bas. Hop. Parce que j'ai pas de mémoire. Alors. Où est-ce qu'on va? Hop, il y avait un truc ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à aller là-bas. Ce vaisseau va retourner à la main du prophète. Eh bah, vas-y. Voilà. Là, il y a de l'Ève. Alors, pourquoi il y a tout ça? Parce que on va se taper un méga truc à faire là. Vous croyez que... Que? Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Non, mais je te crains, toi. Mais je te crains, toi. Je connais les dialogues. Oui, parce que je l'ai enregistré il y a deux jours. En plus, c'est vraiment... Et ça recommence. Je suis obligé de réenregistrer. En espérant que ça foire pas cet enregistrement. Les hommes de Comstock viennent à notre rencontre. Ouais, je sais. Je sais très bien ce qui va se passer en avance. Alors, non, parce que tu me gênes là. Bouton s'accrocher, tu me gênes. Alors, faut que je réussisse à m'accrocher là-bas. Voilà, nickel. Hop. Hop, vous allez tous mourir. Voilà, vous êtes morts. Ou il en reste un? Putain, je les ai nettoyés, mais d'une vitesse. On récupère tout, merci. Hop, tout ça. Et ici, il n'y a rien. Hop, on retourne à la maison. Hop, et on descend. Tout ça. Ah oui, alors possession. Voilà pourquoi c'est intéressant, parce qu'ici, on a plein de trucs. Possession. Booker, un autre vaisseau sur la gauche. Oui, je le vois, il est par là-bas.
Alors le problème c'est que sur les machines j'ai l'impression que c'est pas efficace constamment. Alors, excusez-moi, je vois pas du tout où est-ce qu'on est. Voilà, c'est vous qui m'intéresse. Hop, excusez-moi. Voilà, vous allez tous décéder. C'est long à recharger hein, par contre. Et puis on voit plus rien. C'est bon ? Tout le monde est mort ici ? Nickel. Hop. Récupérer tout ça. Presto. Lance-roquette, ça m'intéresse pas. Hop, on va sauter ici. Là-bas ! En voilà d'autres ! Ouais, oui, bah une seconde. On va s'en occuper, mais... Ah, voilà. Hop, excusez-moi. Waouh, pardon. En plus, ils sont beaucoup et c'est des gros à chaque fois. Toi, tu m'intéresses beaucoup de te tuer parce que, étant donné que t'es un casse-couille... Voilà, merci. Hop, un peu de santé, s'il vous plaît. Voilà, donc vous êtes mort. Ensuite, j'ai plus de munitions, donc... Qu'est-ce qu'il y avait de marqué de verrouillé? Je sais pas, il y avait un truc verrouillé. Il en reste un, mais je sais pas où. Ah oui, je crois qu'il est sur notre vaisseau. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Ah bah, il se fait tirer dessus. Merci. Hop. Je vais te faire un saut chelou. Fusil à pompe, ça m'intéresse pas, là, tout de suite. Hop, hop, comme ça elles sont à nous. Et apparemment ça a l'air de bien marcher hein, sur celui-là. Ah, excusez-moi, vous êtes où là? C'est pas l'abordage hein. Vous avez besoin de ça. Absolument. Je suis d'accord avec vous. J'en ai besoin. Hop, excusez-moi, vous pouvez mourir. C'est chiant. Oui, c'est vrai. Alors par contre, merci. C'est énervant des fois. Hein. Hop. Excusez-moi, vous allez mourir. Ah, excusez-moi, qui me tire dessus là? Faut arrêter, madame. Madame la tourelle, faut arrêter. Le voilà. Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre. Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. Tous les cadavres ont disparu. C'est bien vrai? Vous le jurez? On arrive. Boire un coup le temps qu'on a marre. Regardez! Des lignes d'aérotram partout sur le vaisseau! Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y! Alors... Regarde, DeWitt. Regarde-le. Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis. Il n'y a rien, d'accord. Christo, merci. Merci. Vous êtes mort. Alors, c'était ici que j'avais acheté la possession soldée. Voilà. Merci, c'est très gentil. Je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois elle est à côté des endroits où on aurait pu les trouver nous, hein. Donc en fait elle cherche vraiment à notre place. Alors, je suis retourné en arrière là, c'était pas du tout la vidéo. Je veux rentrer, merci. Hop, merci. Ça marche pas très bien sur les tourelles, j'ai l'impression. Hop, merci. Alors. Il y a un endroit en fait où il faut aller. Je me souviens plus où c'est. Hop, merci. Maintenant que c'est soldé, c'est hyper pratique quand même. Ça coûte plus rien du tout. Et c'est plutôt pas mal. Alors, excusez-moi. Le problème, c'est que vous voyez, sur les tourelles, ça ne marche pas constamment. C'est, au bout d'un moment, elles sont... elles redeviennent méchantes. Plus des boîtes. Merci. Alors... Là il y a une tourelle, merci, c'est très gentil. Toi tu vas mourir. Hop, merci. Qui me tire dessus? Excusez-moi, il faut mourir.
Voilà, donc c'est un peu débile hein, parce que je suis en train de tuer mon pote, mais bon, ce sera plus mon pote d'ici peu. Ah bah voilà, ça, de toute façon elle est morte. Ah, ils étaient en plein combat de tourelle. Donc là ça sert à rien, elle est quasiment morte. Hop, voilà. On récupère tout. Munitions, tout ça. Alors c'est par où? Ce fameux endroit où on doit désactiver les... C'est par là-bas. Oui, c'est là. Cet aérotram mène au pont suivant. Ça va faire le ménage. Sauf que là, j'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. Elisabeth. C'est ta mission. Encore de l'argent. Merci. Alors. La voie est dégagée, Booker. Absolument. On y va. À la gauche de notre agneau se tient le faux berger. Et à sa droite, les vestiges. On va descendre ici. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a? Rien. Rien, pas mal. Ne sacrifierait pas. Canon automatique, s'il te plaît. Pour la voir accomplir son destin. Hop, monsieur, faut mourir là. Réjouissez-vous, la mort est douce. Merci. C'est toujours très utile. Ah, donc on peut le faire même quand on est encore dans le combat, c'est intéressant. Hop, meurs, je dis. Faut mourir. Hein. Hop. Y a un problème. Pourquoi elles ne vont pas plus vite? J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Ouais, c'est un peu long sur cet étage là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est génial. Laisse-moi juste récupérer des munitions de mitrailleuse. J'en veux plein, je suis au max, ok. C'est quoi l'autre? Un canon à main? Non, c'est pas, non, c'est pas ça. Un canon à rafale? Non, c'est pas ça non plus. Non, ben il y en a pas des munitions seulement pour. Et là, il y a quoi? Ah oui, c'est les trucs. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose d'intéressant? Durée de l'électrocution, ça pourra m'être utile tout à l'heure. Je vous dis pas pourquoi. En fait, on va avoir plein de trucs. Comment ça s'appelle? Les espèces de robots là qui tirent. Qui tirent très très fort. Qui font très très mal. Hop, vous allez mourir. Hop, vous allez mourir. Alors, il y a un truc par contre que je fais pas assez. C'est ça. Ok, monsieur, faut mourir. Qui me tire dessus? Vous êtes où? Vous saignez. Putain, absolument. Vous saignez. C'est pire que ça, je suis en train de crever. Ok, c'est les cadavres, c'est toujours utile. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous m'avez pas perdu, je suis juste ici. Ok, on est bon. Les trois quarts. C'est vrai qu'on n'est pas pressé. J'entends un truc qui tire, mais je sais pas où. Non, c'est par là-bas. Ça doit être en haut. Où est-ce qu'il est? Ah voilà. Électroquartz. Il est où le mec? C'est relou là. Voilà. J'ai plus de munitions. Bah faudrait pourtant. Merci. C'est parfait. Parce que bon là sinon je vais un peu mourir. J'ai pas de cristaux. Super. Je vais mourir. Merci. Merci pour les cristaux. Merci. Hop. Alors excusez-moi. Vous me faites super mal. Et c'est pas le moment. Voilà. Oh putain, ouais. Bon bah j'ai plus de munitions à nouveau. Et ce qui est bien c'est que ça les tue pas. Hein. Ça va être long comme ça. Ah c'est bon, j'ai réussi. C'était long. C'est
Sinon, j'avais le canon automatique à côté, c'est vrai. Bon, c'est le moment de prendre l'aérotram. C'est peut-être pas le bon, celui-là. Hein. En train de réfléchir. Non, c'est pas le bon. Descends. C'est celui qui est à l'étage d'au-dessus qu'il faut prendre. Hop. Mon dieu, cette chaleur, vous n'en avez pas compte. En plus, avec le casque, c'est l'horreur. C'est par où? C'est par où? C'est par là. L'aérotram est dégagé. On peut y aller. J'aurais dû racheter des munitions. Mais... C'est peut-être moi qui vous terrasse, D8, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Alors, entrez dans la troisième zone du troisième pont. Plus qu'un pont. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Ah. Non, je viens avec vous. Il me faudrait des munitions, s'il vous plaît. Des munitions, s'il vous plaît. Je veux pas. J'aurais voulu des munitions. Là, ici, alors? Non. J'ai une grosse caisse de munitions, et puis le mec, il veut pas... Il veut pas prendre dedans. Ah, je vais me faire mal. Ah oui, une lampe du man. Génial. J'ai plus de munitions. Oui, c'est des munitions qu'il me faut surtout, Poulette. Parce que là, je vais un peu rien faire si j'ai pas de munitions. Là. Merci, ce serait cool. Il est où l'homme d'Iman? Waouh. Merci, c'est sympa. En ligne, il est toujours violent. Hein. J'aimerais bien qu'on puisse rentrer là-dedans, ces quatre. Ça se trouve dans le jeu, on peut. Mais à un moment donné, ça se trouve, on a le droit. Parce que ça a l'air cool. Je n'ai plus de munitions à nouveau. Vous avez besoin de ça. C'est vrai, mais des munitions, c'est pas mal aussi. Ok. Celle-là, maintenant. C'est fait. Merci. Handyman, viens voir là. Si la putain de tourelle pouvait lui faire mal. Je n'ai plus de munitions. Je le retrouve, hein, parce que là c'est la merde. Kit de soins, ça m'intéresse pas. Ah, il y a un truc qui me tire dessus en plus, génial. Kit de soins, ça m'intéresse pas. Des munitions, moi je veux. Ah bah dans ce cas-là on y va. Viens, regarde, on laisse tomber tout le monde et on se casse. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux bergers. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne peuvent être absous. On y va. On va voir le prophète. Le siphon. C'est ma tour. Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu, là. Je t'entendais chanter, là, au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles, qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour... On va me tuer. Oh, très bien, j'arrive. Avancez, avancez. C'est fermé. Ne bouge pas. Je m'en occupe. On a absolument aucune munition. Hein. C'est entre lui et moi. Il essaie de te tendre un piège. Je n'ai pas le choix. Approche, mon enfant. Allons, je ne mords pas. C'est joli, hein. Doux Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi. Qu'est-ce que je suis? Regarde un peu dans quel état tu es. La touchez pas! Elisabeth, tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protéger de quoi? La progéniture du prophète montera sur le trône.
et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète, méfie-toi du faux berger, Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi ? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas. Demande-lui. Demande au faux berger. Dites-lui. Dites-lui, faux berger. Dites-lui la vérité. On va laisser un peu, parce que je sais pas ce qui se passe. Laissez-moi. Bon, on est obligé, hein, de toute façon. C'est votre fille, salopard. Et vous l'avez abandonnée. Ça valait le coup. Hein, vous avez eu ce que vous voulez. Il est complètement vénère de ça. Dites-moi. Voilà. C'est terminé. Non, c'est pas terminé. Booker. Vous l'enfermez toute sa vie. Booker. Vous lui coupez le doigt et vous mettez ça sur le dos. Booker, arrêtez. Vous l'avez tué. J'ai jamais remarqué qu'il lui manquait un doigt. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah, je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire je, pour je mon doigt? Rien, je ne sais pas. J'en sais rien. Laissez-moi tranquille. Ce ne sont pas les droïdes que vous voyez. Je sais pas. Votre nez. Mon nez? Vous saignez. Je saigne. Hein? Elisabeth, oh. Je te le jure, je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Mais je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est derrière une de tes portes. Il te suffit d'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas, mais j'aurais bien une idée en route. On y go? On y go. Vas-y, j'étais en train de recharger, parce que ça prend du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Trouvons les commandes et préparons-nous au big fight. Parce qu'il y a un big fight juste derrière, je vous spoil un peu. Alors, où sont les commandes? S'il te plaît, Elisabeth. Elisabeth? Petite erreur de merde. Diriger le zeppelin. Une cage, qu'est-ce que... Bon, et maintenant... Parti sur son... Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Une cage, quelque chose m'échappe. Ah le bordel, vous voyez le Booker. Bon, on va se préparer. Je crois qu'ils veulent monter à bord. On te laisse pas placer ta fille sur le trône. Il est mort. Qu'est-ce que tu fais, Elisabeth? On doit chanter pour lui. Chanter pour qui, Elisabeth? Arrête. C'est pas un mot, Booker. C'est une chanson. Qu'est-ce que c'est que cet instrument, d'ailleurs? Une espèce de flûte de pan. Oh, putain, le bordel. Chut, tout va bien. Je suis là. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges, tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi juste une dernière fois, s'il te plaît. Allez! Booker, il va nous aider. Utilisons-le contre cette flotte. Pourquoi j'arrive pas à sauter? Parce que c'est essentiel, okay, hein, quand Booker. Même. Merci. Alors, vous allez voir, c'est génial. Voilà. Hop. Maintenant on peut faire ça. Et on a son board qui nous aide un petit peu. Vous allez mourir. Ah, et le problème c'est que j'ai plus de munitions là-dessus, c'est chiant. D'où le truc de... Voilà. Réflecteur. Ah mince, c'est un réflecteur. Il y en a qui ont des canons à rafale là ou je sais pas quoi. Ah, j'en ai vu un là. Non. Mince, il y en avait un par terre.
Il y a l'arme que j'ai améliorée tout à l'heure, normalement elle est quelque part. Je sais pas où. Ah, dégage, tu m'énerves. Et je vais l'appeler une seconde parce que là je suis encore en train de... Appelez-le pour où aller, s'il te plaît. Où ça là-bas? Et ça va être chaud, hein, je vous le dis. Non, là on peut pas. Il faut arrêter les gens. Bon, s'il te plaît, merci. Déjà, t'as nettoyé un peu. Je veux bien, mais ce serait bien des munitions pour autre chose que ça. Parce que c'est un peu nul. Voilà, merci. Ensuite. Pour l'instant, c'est un peu facile, mais ça devient beaucoup plus dur après. La barge. Wow. Excusez-moi, on peut... Allez. Merci. Hop. Un lance-roquette, on s'en fout. Ouais, mais je veux bien, mais... On est où? Qui me tire dessus? Oh là, de merde. C'est tellement mieux avec ça, mais bon. Allez, tiens, j'en ai plus à nouveau. C'est nul comme arme, ça m'énerve. Dites-moi où l'envoyer. Je vais te le dire. Laisse-moi juste buter ce mec. Ensuite, où sont les gros vaisseaux là qui nous tirent dessus? Vous allez mourir, vous. Hein. Voilà. Merci. Ça serait cool. Je peux en avoir dans l'autre ou pas? Non, d'accord. Alors, laissez-moi vérifier. Il n'y a personne avec des... Oula. Normalement, ils sont tous les deux morts. C'est pas grave. On est déjà bien abîmé quand même, hein. On a perdu un sixième de la vie, je dirais. Qu'est-ce que c'est ça? Lance-roquette? Où ça le zeppelin? Où ça le zeppelin? Je le vois pas. Ah, il est tout là-haut. Vas-y, voilà. Parce que le zeppelin il fait super mal. Où ça? Parce que justement c'est pour ça que j'avais pris les deux même. J'avais pris l'électricité pour ça. Voilà, merci. Hop. Merci. Et de la santé, ce serait pas mal. Waouh. Comment je souffre. J'ai trop mal. Elisabeth, si tu pouvais me donner des kits de soins, ce serait cool. Celle-là. Vas-y vite, kit de soin, 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 merci. Hop. Attends, il y a un espèce de gros truc qui nous tire dessus, qui fait super mal. Alors putain, j'ai le Songbird qui est pas disponible. Vous voyez la petite... Et en plus, ils ont pas compris que le mec, il était mort, quoi. C'est bon, c'est fini, les gars. Faut arrêter de stresser pour rien. Vous, vous faites super mal. Vite Songbird. Allez. Songbird est prêt. Eh bah qui l'attaque alors? Attaque ce... Merci. Putain. Il a fait souffrir mon truc là. Putain, j'arrive pas à courir. Il est encore là. Voilà, t'es mort. Ensuite, qui c'est qu'il faut tuer?
Ouais, moi non plus. Le zeppelin, ça va faire mal. Je peux tirer dessus, s'il te plaît? Songbird. 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 Je peux pas tirer sur le zeppelin. C'est relou. Songbird, merci. Détruis le zeppelin. Monsieur DeWitt? Ça sera plus facile. Oh, mais t'inquiète pas, il y en a pendant un long moment encore. Ok, génial. On va y aller. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ce qui est pratique, c'est qu'ils sont à fond sur le... Quand je vous disais que j'avais des gros soucis d'enregistrement, on reprend. J'ai des munitions. Merci, c'est très gentil. Parce que là, il m'en faut. C'est un énorme bordel. On va perdre à cause de ce bug. Ah, non, mais là, il y a un truc qui va pas. Hein. Oh. Faut faire quelque chose, hein. C'est le bordel, là. Ah putain, mais il y a un zeppelin, c'est pour ça que c'est le bordel. Dès qu'il y a un zeppelin, c'est le bordel. Je vais t'acheter de trouver d'autres. Ah, l'horreur, casse-toi toi. C'est bon, Songbird il est prêt, on va lui dire... Non, surtout que chier, c'était le zeppelin qu'il fallait tuer. Allez tiens, c'est la merde. Vas-y, de toute façon je suis mort. C'est trop nul quoi. Une munition. C'est la merde, c'est la merde. Le zeppelin, c'est ce qu'il fallait tuer en priorité. J'ai plus de munitions, c'est trop nul, c'est trop nul. Vas-y, tue-moi, ça m'énerve. Bah, vas-y, aide-moi alors. Ah, c'est quoi ces trucs éclairs là? Bon, je m'énerve. On reprend. Parce que là, c'est foiré. C'est foiré d'avance, quoi. Des roquettes, là-bas. Voilà, donc on recommence. Parce que ce sera carrément mieux. Vas-y, Songbird, merci. Alors ensuite, faut aller. Là-bas, là-bas. Mais c'est relou. Il faut que ce truc vienne. C'est relou, j'ai que des armes de merde. Où il est passé? Des armes de merde et des trucs qui bug, ça m'énerve. Je trouve qu'il court pas très vite. Ah mais c'est parce que j'ai pas la bonne arme. Plus de munitions, évidemment, j'ai jamais de munitions. Où es-tu? Celui qui m'insulte là. Bonjour. Vous êtes mort. Ah, attends, parce que on va prendre le réflecteur quand même. Et même si c'est pourri, c'est déjà mieux que le canon. Je l'ai détruit un peu tard. Corbeau meurtrier, ça peut être pas mal. Ça fait des corbeaux électriques hein, en fait quand on fait les deux, il le disait pendant notre enchargement. Prêt, mais voilà. Mais pourquoi c'est si compliqué de viser? Putain, c'est le coup de maintenir, ça prend des heures quoi. Où sont les méchants que je les tue? Oui, bah je fais ce que je peux. Hein. Je suis tout seul. Hein, où sont-ils? C'est pas super efficace de loin ce truc là. Est-ce que je pourrais en avoir de mitrailleuses? Ce serait tellement plus simple. Oui, je vois bien, mais... qui faut attaquer là alors? Parce que je veux bien qu'il soit prêt, mais... pour l'instant, je vois pas qui il faut tuer.
Mis à part les mecs qui sont relous là, qu'on va directement aller tuer par là. Hop. Voilà. Ensuite, l'aérotrame s'il vous plaît, ça sera pratique. Ouais, on passe vachement loin. Effectivement. On perd un peu du temps là quand même. Accélère. Ça servait à rien de suivre Elisabeth. Hop, toi t'es mort. Ensuite. Vous pensiez les rues pavées d'or, mais elles sont pavées de sang, de sueur et de larmes. Nos larmes sont de l'or. Ah putain, le zeppelin. Un zeppelin. Allez, laisse-moi viser le zeppelin. Voilà. C'est relou parce qu'il a le temps d'attaquer un peu. Alors on va prendre une petite possession et on va posséder l'autre patriote. Non, raté. Raté. Ok, mais j'en ai plus. Absolument, mais des cristaux ça aurait été cool aussi. Parce que bon, j'ai un peu raté ma possession de patriote. C'était chiant. Hop, nickel, kit de soins, ça aurait été cool, kit de soins. Je vais tuer ça aussi. Merci. Hop, kit de soins. Ok, cool. Où sont les gens qui me tirent dessus là? Ah, putain, il y a un truc là. Eh merde, on peut pas l'attaquer, on n'a pas son bird de dispo. Son bird, il est rolling, il est vachement lent, je crois. Alors pour un mec qui est tout le temps là, mais... C'est bien parce qu'on s'attache. On n'est jamais dans le bon sens. Cristaux. Je n'ai encore rien trouvé. Que disons-nous aux fondateurs? Que disons-nous à leur progrès? Dépêche-toi, Songbird, parce que là, ça va être la merde. Hein. Allez. Allez. Merci. Songbird est prêt. Va sur le vaisseau. Hop. Parce qu'on peut pas les tuer, nous, quoi. C'est ça qui est chiant. Ah putain, il y a un zeppelin juste derrière. Je savais bien en fait que j'aurais pas dû le faire. C'est relou. Ok, un cordé. Magnifique. Alors cette fois, faut pas que je rate ma possession. Coucou. Merci. Meurs. C'est cool. Ok, donc la possession. Alors s'il est prêt, il y a un peu des gros zeppelins à tuer là. Oui, je veux bien m'occuper des cristaux, mais s'il te plaît, si je pouvais tuer les zeppelins, merci. Il y en a un autre, c'est ça le problème. C'est trop loup, quoi. Putain, l'horreur. C'est ouf. Merci. Pendant qu'elle est à nous, en fait, je la détruis comme ça. Elle tire sur les autres, mais voilà. Mais on la détruit quand même parce que c'est pas définitif. Elle est pas définitivement à nous. Elle est juste à nous un petit peu. Voilà. Si Songbird pouvait être dispo, parce que là, on est un peu dans la merde. Hop. Ce serait pas mal. Ah putain. Oui, ce serait pas mal. C'est parfait. Oui, et ben vas-y, appelle-le pour ce putain de zeppelin qui est quelque part. Où est-ce qu'il est? Allez, putain, parce que là c'est la merde. Hein. Oh putain, la vache. Il tire. Je le vois pas.
Merde. Prenez ces munitions. Sœur, attrapez. Ça m'aide beaucoup. Où sont les gens qui tirent? Là-haut? Où ça? Putain, je n'arrive pas à voir qui me tire dessus. Ok, vous êtes là. Nickel. Oui, il me faut des cristaux. Vas-y. Ça pouvait pas mieux tomber. Merci. Si je pouvais avoir autre chose du style l'électroquartz, merci. Oh, sans déconner, j'ai passé le truc. Ça aurait pu finir plus mal. Eh ben, j'avais pas réussi pendant le premier enregistrement. C'est où? C'est là? Non, c'est où? C'est où? Faut reprendre le l'aérotram. Ça nous permet de remonter. Non? Oui, c'est ça, faut reprendre le train. C'est où? C'est ça la proue? La proue, celle devant? Oui? Oui, non, peut-être. Oh là là, où est-ce qu'on va? Non, si, c'est bien là. Hein. Oui. Booker, par ici. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux? C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt, pour Comstock, pour tout. Oui. Détruis-le. Détruis tout. Eh ben dis donc. Le sifflet, Elisabeth. L'oiseau. J'ai plus le contrôle, il arrive. Non, pas du tout. Pardon? Où on est? Où il est? Où on est? Où il est? Quoi? On est à Rapture. Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Elisabeth. Je suis désolé. Rapture. Où est-ce qu'on est? À Rapture. Elisabeth? C'est un passage. Mais il y en a d'autres. Par ici. Comment ça, c'est un passage? Où est-ce que tu vas? Venez. Allez, c'est par là. Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... C'est par là. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre de se retrouver. Parce que pour ceux qui n'auraient pas joué à Bioshock, c'est les décors du par premier ici, jeu. Booker. Et du deuxième, enfin plus du premier en fait. C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, cet impassage? Je vais vous montrer. La bathysphère? Ça sent les ennuis, tout ça. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une ville au fond de l'océan. Une ville dans le ciel, c'est pas mieux. Hein. Elle me paraissait plus petite, la bathysphère, hein, quand on l'avait pris dans le premier. Oh,
Regardez. Des milliers de portes. Elles s'ouvrent toutes en même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi? Les étoiles? Il comprend pas. Comprend plus rien. Allez, venez, c'est par là. Allez. Bon, bah on y va. C'est très étrange. Hein. Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Ça? Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... Je ne pouvais pas la voir. Mais... Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de logique, là? Parce que depuis 5 minutes... Hein? Vous voyez? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. Quoi? Quoi? D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. Ok. Notamment Rapture et les Big Daddy. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Regardez. Mais c'est nous. Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. On avance? Qu'est-ce qu'on fait, Elisabeth? Merci. À gauche? On va aller à gauche. Est-ce qu'on n'avait pas l'air de se décider? Attends une minute. Je connais cet endroit. J'étais là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Windy Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Êtes-vous prêt à être purifié? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle foi? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à renaître? Je suis prêt. Vous repentez-vous? Oui. Regrettez-vous votre cruauté? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Seigneur, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Non. Laissez-moi, stop. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort. Non. Il était là. Venez.
pour mes dettes. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment? Oui. La fille contre la dette. Attends, attends. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, vous saignez. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies, pas besoin de... Comme Chen Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie dans des millions de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Ça ne marche plus! Rendez-la-moi! Rendez-la! T'es folle! Rendez-la-moi, sale enfoiré! Non! Non, non, non! Non! Anna! Anna! Rendez-moi ma fille! Non! Anna... Non... Non... Je suis désolé, Anna... Anna, je suis désolé... Elle est partie, Booker... Anna... Vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir, vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Oh. Oh. Je t'avais dit que ça marche. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il? Anna. Anna. Désolé, Anna. Tu penses que c'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Ramener. Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ramener. Ce qui est fait fille. Sera fait. Cette marque est un peu son cilice, comme lui est le nôtre. Nous effacerons la dette. Ramener la fille. Et nous effacerons la dette. Ramener la fille.
Nous effacerons la dette. Tu vois, ramener il commence à reconstruire fille, son histoire. Nous effacerons. Elle te plaît vraiment, ta théorie. Ramener hein, la fille, nous effacerons. En fabriquer de nouveau. Ramener la fille, nous effacerons. Oh, je sais bien. Je suis passé. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je t'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Vraiment, ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens. Attends. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Qui es-tu? Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté, et vous renaissez sous une autre identité. Comstock. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai tout fait au berceau. L'étouffer. Avant qu'il ne choisisse, avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis... les deux. This is fine, it's that one line, I don't know. Yeah. Well, he'll figure it out. That's what I'm saying. Went back home, Lord, my home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers sisters cry. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because it, then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. Sad. Lonely. We're supposed to learn. We'll get the actual one. Awesome. Can we run it through this video over there? Sorry. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle?
Slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, it was like. Well, otherwise, it's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. Yeah, no, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. What do you want, Joplin? Rip. Yeah, Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Anna? Anna, c'est toi?